What's up, bro? Ceci est un réupload d'une vidéo que j'ai publiée pour la sortie du film dont il est le personnage principal. Aujourd'hui, nous allons parler du Joker. Allez, ya, ya! Il a dit Joker! Ah. Il est le méchant iconique de l'univers DC Comics et le meilleur ennemi de Batman. Tout comme lui, il a connu de multiples incarnations dans des films, séries, dessins animés, bandes dessinées, jeux vidéo, etc. Mais le Joker est né sous la plume de Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson dès le premier numéro du comics Batman au printemps 1940. J'étais là avant. Eh mais pourquoi t'as la même voix que Bonnie? Mais pas du tout. Ah bon, d'accord. Mais qui dit multiplicité des supports dit aussi multiplicité des fins, ce qui implique d'une part qu'il n'y a pas qu'un seul Batman. Ah bon ? Mais aussi qu'il y a une foultitude de versions dans lesquelles le Joker meurt. C'est pas drôle. Mais comme l'univers DC Comics est en réalité un multivers, il y a plusieurs vérités différentes ou alternatives, il y a donc plusieurs versions de la Terre et par conséquent une véritable flopée de Batman. Eh oui, c'est important la grammaire. T'es sûr pour la perruque là ? Non, mais en vrai c'est parce que je suis une version alternative de moi dans un univers parallèle. En vrai t'as perdu l'autre, c'est ça ? Oui. Et dans le lot, forcément, ben, il y en a aussi plein qui meurent. Quoi ? Mais bon, il y a tellement de réalités différentes que sur la Terre 9, Batman vit au temps du roi Arthur, et sur la Terre 10, lui et tous les autres super-héros sont en fait des nazis. Mais attendez, attendez, hein, c'est pas fini, il y a aussi Batman soviétique, Batman vampire... C'est du gros n'importe quoi. Eh, c'est pas de moi qu'on est censé parler. Attends, attends, justement, dans Emperor Joker, t'as des sortes de super-méga-pouvoirs de distorsion de réalité, et tu deviens une sorte de tyran tout-puissant qui passe ses journées à torturer Batman et à le tuer à répétition. Ouais, ça sonne un peu bizarre une fois qu'on le formule à voix haute. Et c'est des épisodes canon, tout ça ? Psst, encore une précision, vous le savez peut-être, mais Batman a plusieurs identités secrètes. Il y a Bruce Wayne, bien sûr, mais il y a aussi Dick Grayson, Brian Taylor, Jean-Paul Vallet, etc. Eh bien, pour le Joker, c'est pareil. Un coup, c'est Jack Napier, un coup, c'est Arthur Fleck, ou encore Jérôme ou Jeremiah Valeska. Attendez, attendez, parce qu'un coup, c'est même la mère de Bruce dans une réalité où Batman est en fait le père de Bruce, parce que Bruce, lui est mort. Bah, disons que ça pimente notre thérapie de couple, pas vrai ? Non ! Il dit toujours ça ! Mais alors face à ce flux d'informations, vous vous dites peut-être, mais c'est quoi qui fait l'identité du Joker ? Pour le savoir, on va essayer de voir ses traits récurrents. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Comédien ? Ouais, je pense que c'est un métier sérieux, ouais. On dirait pas, mais c'est pas facile tous les jours, on attrape des cheveux sur la langue.